vous allez découvrir la Corse comme on a rarement l'occasion de la voir. Ici plus qu'ailleurs, le printemps fait exploser les couleurs. Le vert des arbres comme le bleu de la mer et du ciel sont particulièrement intenses en cette saison. À Propriano, dans le sud-ouest de l'île, il fait d'autant plus bon vivre que la mer apporte une brise rafraîchissante qui tempère les habituels 25 degrés. C'est dans cet environnement exceptionnel que vivent les brebis dont on tire le lait, qui permettra de fabriquer le brooch, un fromage typiquement corse. Gisèle va en faire de délicieuses boulettes qui accompagneront un mijoté d'agneau. Ce ne sont pas encore les grandes vacances, mais ça y ressemble beaucoup. Il faut une trentaine de secondes pour traire une brebis. Au pied des montagnes, à Sartène, Pietro en possède 200. Faites le calcul, 1h et 40 minutes sont nécessaires pour recueillir le lait de ces bêtes. De vraies filles des montagnes qui ne manquent pas de ressort. C'est des brebis laitières de race corse. Et avec ces brebis, je fais mon lait, je fais mon fromage. Et on a l'habitude de la comparer à une chèvre, mais non, c'est une brebis. Elle a une belle laine qui tombe, elle n'est pas très grande, elle fait maximum une trentaine de kilos. Elle est surtout très rustique, elle s'adapte très bien à tout type de terrain. Elles sont très dociles. Bon, des fois, elles ont un peu leur caractère. Hein. C'est la brebis corse, quoi. La brebis corse est dehors toute l'année. Il faut dire qu'ici, même au cœur de l'hiver, les températures oscillent en moyenne entre 4 et 15 degrés. Et quand il fait trop chaud l'été, elle a sa combine. Ça chaume beaucoup une brebis. Alors chaumée, c'est-à-dire qu'elle se met beaucoup à l'ombre. Elle profite des fraîcheurs en fait en soirée et la nuit pour pouvoir pâturer. C'est grâce à cette vie en plein air que les brebis donnent le bon lait qui sert à fabriquer le brooch. Ça s'écrit brooch-you, mais on ne prononce presque pas le i et le u final. À Sartène, on en est très fiers et c'est rien de le dire. On est chauvin nous pour ça, surtout dans le Sartenay. Hein. Très chauvin pour le brooch. On dit qu'on a le meilleur et c'est vrai. Le brooch, c'est ce qu'on fait après le fromage, avec le petit lait. C'est un fromage à pâte pressée. C'est doux quand c'est jeune, et puis ça s'affine, puis c'est fort. Quoi. Ça se mange nature ou cuisiné. C'est bien l'intention de Gisèle. Cette restauratrice à la retraite adore le brooch et l'agneau de lait. Bonjour Gisèle. Bonjour. Ça va bien? Et tout? Ça va. C'est bien. Ça va. Super journée aujourd'hui. Pour Mama David. Alors, je vous ai amené l'agneau, je l'ai déjà prédécoupé. Super, regarde-moi ça, comme il est beau. Mmh. Alors tenez, je vous donne le brooch, le fromage. Ça. Le brooch, c'est vraiment une spécificité corse, mais seulement si c'est fait dans le nord, à Piana ou ailleurs. Bon, les goûts sont quand même un petit peu différents, de par ce que mangent les brebis et les chèvres. La saison du brooch frais se situe entre novembre et juin, c'est-à-dire pendant la période d'allaitement des brebis. Changement radical de décor, on quitte la montagne de Sartène pour se retrouver 15 km plus loin, au bord de la mer, à Propriano. Nous sommes dans un endroit magnifique, dans la Corse du Sud. Les yeux ne savent plus sur quoi s'arrêter, tellement c'est beau et on voudrait fixer à jamais ces couleurs, ces paysages. Nous sommes privilégiés parce que vous avez toujours une petite brise qui vient de la mer et ça s'appelle l'ambata. Voilà, et c'est toujours très agréable. Donc on peut rester au soleil et on n'a pas justement cette impression de suffoquer et de brûler. Mais c'est même dangereux parce que souvent on ne s'en rend pas compte et après on attrape un bon coup de soleil. Justement, le fond de l'air est un peu frais aujourd'hui. Le moment est bien choisi pour préparer sa recette de saison, le mijoté d'agneau au brooch. Gisèle commence par découper les côtes, l'épaule et le collier. Heureusement que Pietro m'a entaillé l'agneau, hein, parce que moi, j'aurais plus eu de force. Ça, c'est une recette que toutes les grand-mères et mamans font. Ma grand-mère avait une petite auberge, mais enfin, les gens qui arrivaient mangeaient toujours dans la plaine du Taravo. Et c'est vrai que par elle, j'ai appris toutes les recettes vraiment traditionnelles. L'huile est bien chaude, je vais saisir mes morceaux. Elle y ajoute un oignon émincé, 2 gousses d'ail en chemise et un peu de farine pour lier la sauce. Alors maintenant, je vais poivrer, saler. C'est un plat traditionnel, mais familial. Hein. La seule chose, c'est qu'il faut bien faire dorer la viande. Ne pas mélanger le vin et l'eau, parce que le vin est acide. Si vous le mélangez à l'eau, il y a toujours l'acidité qui ressort. Alors le persil... Les petits bouquets d'herbes, voilà. Maintenant, nous allons mettre le concentré tomate. Ma grand-mère faisait comme ça, voilà. Allez, et on met ça dans la marmite. Voilà, maintenant, il faut laisser réduire que le vin se consomme tout doucement.
Pendant que l'agneau mijote tranquillement pendant une petite demi-heure, Gisèle va préparer des boulettes de brooch. Pour cela, elle aura préalablement fait cuire des feuilles de blettes à l'eau. Il est bon, le brooch, c'est un produit merveilleux. Pour l'assaisonnement, elle hache du persil et des feuilles de blettes, puis ajoute 3 œufs. Une fois la pâte mélangée, elle réalise des boulettes avec de la farine. On jette ça comme ça dans l'eau bouillante. Quand ça va remonter à la surface, ça sera cuit. Dernière étape, elle rajoute la sauce de l'agneau et un peu de parmesan râpé. Alors voilà, on met au four à 180 degrés, à four chaud naturellement. 10 minutes, c'est fait. Hein. L'agneau, la sauce à la tomate et au vin blanc qui enrobe les boulettes de brooch. Comment voulez-vous ne pas tomber amoureux de la Corse? Ça, c'est un plat vraiment de saison. Hein. L'agneau de lait, le brooch, encore, c'est la pleine saison. Et même si c'est chaud, comme chez nous en Corse, il y a toujours, selon l'endroit où on est, on a toujours un petit peu d'air. Il n'y a rien de mieux. Bon appétit. Bon appétit. À votre tour de réaliser cette recette toute simple. Pour cela, il vous faut une épaule d'agneau, du collier et 6 côtes, du concentré de tomate, un verre de vin blanc, un oignon, 2 gousses d'ail, du sel et du poivre. Pour les boulettes, il vous faut un brooch, 100 g de farine, du persil, 3 feuilles de blettes, au four 10 minutes à 180 degrés.